Sur mon île, terrible île, ni-ti-ti-ti-ti. Oh, viens ma belle Marie-Madeleine, ti-ti-ti-ti-ti-ti. Olimboé, 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 Oli. Eh bien bonsoir férus d'aventures et de liberté, bienvenue aujourd'hui dans la suite de Stranded Deep. Et devinez qui je viens de retrouver. Alors comment tu vas ma vieille? Plus jamais tu me refais un coup comme ça. Tiens, monte dans le radeau. Oui donc voyez que c'est un petit peu le bordel hein. Sur mon camp, j'ai rangé comme j'ai pu. J'ai fait une petite tour de pierre, elle est plutôt jolie franchement, j'aime bien moi. Eh bien aujourd'hui beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Même dans un premier temps, faudrait que je range mon île. Ça on verra plutôt dans un deuxième temps. Non, dans un premier temps faudrait que j'aille visiter les bateaux là-bas. Parce qu'en fait, de là jusqu'à là-bas, c'est qu'un seul paquebot. C'est un gros paquebot en fait. J'avais pas remarqué ça. Enfin, je crois qu'il y en a deux en fait. Hein. Voilà, il y a celui-ci et celui-ci là. Qui est vraiment énorme. J'y vais. Mauvaise idée, non, ça va. Écoutez, pour l'instant, ça va. Plutôt bonne idée. Donc la dernière fois ici, on avait à peu près tout fouillé. Je pense, hein. Je crois que les placards sont vides ou quoi. Ouais, les placards sont vides. Donc l'étage, ici, ouais, on avait tout fouillé, ça c'est nickel. Oui, bien sûr, je compte sur vous, comme toujours, vous me faites péter le petit like sous la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça permet de mettre les vidéos en avant et tout, c'est cool. Et je vous en remercie très chaleureusement. Et bien sûr, comme toujours, vous pouvez acheter Stranded Deep directement sur G2A avec le petit lien dans la description. Par contre, j'avais pas fait le mât du bateau. Ah, ça non, je l'avais pas fait, mon petit gars. Pfff. J'ai tellement cru que j'allais me péter la gueule. Oh, yes. Ok, un pistolet. D'après vous. Oh oui. À l'aise, mon gars. Ouh. Ouais. Ça va vite fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'avait pas fait la suite ici. Et là... Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut casser la porte ici? Je crois que oui, hein. Je crois bien que oui. Voilà, on a toujours bien sûr nos objectifs hein, en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On récupère directement le coffre. Tac, voilà. Oh putain, faut que je me dépêche. Oh yes, j'ai récupéré une lampe torche. Vite, vite, vite. Wouh. On repassera. Eh oui, Marie-Madeleine, c'est là que je passe la plupart de mon temps. Tel un aventurier solitaire, rêveur en quête d'autres îles. Enfin, que veux-tu, c'est comme ça. Il vole, Marie-Madeleine. Je l'ai fait voler un peu loin. Attends, merde. Je l'ai fait voler beaucoup trop loin. Elle est où? Oh merde, non. Oh quel con. Elle est là. Reviens ici. C'est bon. Ah, je pensais pas qu'un petit coup comme ça, ça allait la faire partir. Bon, effectivement, va falloir que je range un peu le camp. Hein. C'est vrai que c'est le bordel. Va falloir que je fasse le tri dans tout ce que j'ai récupéré. Et franchement, j'ai v'là récupéré les trucs et j'ai pas fini d'explorer les paquebots. Hein. On va prendre deux petites noix de coco parce que j'ai super soif. Putain, il y en a une qui se fait la malle. Impeccable. Crac. Voilà, je peux boire un canon là? Oui, bah bien sûr qu'on peut boire un canon. Eh bah écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va manger les deux noix de coco. Alors on va pas en abuser non plus parce que sinon ça va encore mal finir tout ça. Allez. Oh merde, putain. Ouais, c'est le cas de le dire. Bon, allez, je mange la dernière. C'est bon, je dois trouver de l'eau. Bah ouais, tu m'étonnes. Mince. Putain. Il s'arrête plus le mec. Excuse-moi ma fifille. Ah bah ça arrive, c'est comme ça. Eh oui, eh tout n'est pas rose. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va dormir. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ah là là, mais quelle magnifique douce nuit. Qu'est-ce qu'on a bien dormi. Il est 4h30. Allez, viens ma fifi, au niveau de la faim. Ah là là, j'ai faim, j'ai soif, la totale. Il me faut du bois. On va remettre un petit peu de bois dans le feu. Hop, voilà, ça c'est nickel. C'est parfait. Voilà, ça arrive ma fifi. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, réchauffe-toi, c'est bien comme ça. Attention, pas trop. Voilà, ça fait un peu chaud quand même. Hein. Faut vraiment que je me dépêche là pour le coup. Poisson clown. Oh, une sardine, je prends aussi. Hop là, une autre sardine, je prends. Et je vais vite aller faire à manger. Je suis si faible, je dois trouver quelque chose à manger. Ouais, ben j'ai faim, j'ai soif, mon gars, la totale. Laisse tomber, j'ai jamais vu ça. Tu dépeces une sardine, tu récupères une entrecôte. Un truc de ouf. Go, 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 go. Yes.
Allez, on va mettre ça. N'oublions pas, nous, faut qu'on se fasse un distillateur d'eau. C'est le dernier objectif qu'on s'était fixé. Et donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une noix de coco gourde. Donc, pour faire ça, il nous faut une noix de coco et de la corde. Hop, une noix. Et puis, on va en prendre une comme ça au cas où. Et puis, il nous faut de la corde. Oh là là, ce dawa, mon gars, laisse tomber. C'est le bordel. J'ai des trucs de partout, quoi. Est-ce que ça, c'est cuit? Oui, c'est cuit. Ok, du coup, on va le manger. On va en poser un autre. Voilà. Celui-là, il est bon. Le prochain, il est cru. Ok, le prochain, il est cru. On n'y touche pas. Marie-Madeleine, je te donne la responsabilité de surveiller le feu de camp. Tu m'appelles dès que c'est cuit. On dirait qu'elle fait la gueule, non? Tu fais pas la gueule? Mais non, elle fait pas la gueule. Elle est heureuse comme tout. Regardez ça. On va aller chercher du yucca. Là, il y en a juste ici. C'est impeccable. Allez, vite. On se dépêche. Bon, je peux peut-être en faire une corde. Ah bah voilà. Et niveau supérieur en artisanat, bah c'est impeccable ça. Une petite gourde. Voilà, gourde en noix de coco. Il me manque une feuille de palmier. J'en ai une, en principe. Ok, une feuille de palmier, une corde, machin nana. On peut le faire. Distillateur d'eau. Yes. Crac. Impeccable. Maintenant, ce qu'il nous faut, il va nous falloir une gourde en noix de coco. On va en faire une autre. On peut refaire une gourde. Ça, c'est impeccable. Il nous faut de la corde. C'est qui, Marie-Madeleine? Ouais, c'est bon. Je peux le prendre? Impeccable. Elle m'a dit oui. Bon, niveau supérieur en cuisine, on commence à être bien. C'est impeccable. Voilà, distillateur d'eau, petite hutte, Marie-Madeleine qui surveille la cuisine. Le rêve américain, quoi. Regardez ça. Écoute, Marie-Madeleine, ça fait un moment qu'on se côtoie tous les deux. Profite de cette soirée magique, de ce magnifique coucher de soleil. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Marie-Madeleine, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Regarde. Marie-Madeleine, je crois qu'elle avait dit oui. Elle est... Oh bah elle est toute folle. Elle est partie... Ah bah tiens, elle est partie ici. Voilà. Bon, j'ai fini de ranger un petit peu mon île. Alors j'ai stocké toutes les bouées de sauvetage juste ici. Et en principe, ma base, elle doit être juste à côté. Elle est pas loin. Peut-être même traverser. Voilà. Yes, elle est de l'autre côté. Ouais, je voulais pas que ça gâche un petit peu la vue, tu vois. J'ai mis mes noix de coco ici. Donc tout ce qui est matière première, les planches, le tissu, les tôles, j'ai mis ici. Ici, j'ai stocké un petit peu tout ce qui est les pièces pour les véhicules. Le petit bois, on va le stocker juste ici. À côté du feu, c'est impeccable. Bon, ça fait déjà beaucoup moins bordélique. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tu t'en vas au lit comme ça. Voilà, on va dormir, on se réveillera demain matin. Histoire de passer une petite nuit de noces avec ma dulcinée. Ah, mais quelle magnifique journée qui s'annonce. Il est quelle heure? Bon, 5h30, j'ai faim, j'ai soif. Oh, la nuit a été agitée, hein. Oh oui, t'as bien le droit de te reposer encore un peu, va. Tu l'as mérité. Après, on ira très certainement faire un petit tour sur l'île qui est juste en face. Je crois que, bah, de toute façon, il y a plusieurs îles hein, qui entourent la nôtre. Et puis, on n'a pas fini, bien sûr, d'explorer le paquebot. Voilà qui fera l'affaire dans un premier temps. Regardez, regardez, ça fanfaronne là-bas. Hein, ça fanfaronne là-bas. Ouh, regardez. Merde, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, bordel. Ah, j'étais tellement sûr de moi, quoi. Pas laisse tomber, je la retrouverai jamais. Il y a des serpents et tout. Ah, grand feu de camp, c'est ça qu'il me faut, les mecs. Donc, il me faut un contour de pierre, trois bâtons en bois et de la corde. Ok, on va essayer de faire ça. C'est bien parce que ça repousse ces trucs-là, en fait. On va se faire un grand feu de camp. Ça va être très important. Ce qui va être important aussi, c'est l'eau. Hein. Ok, tac, nickel. On va se faire une corde. J'ai besoin de me rafraîchir. Oui. Bah, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me rafraîchir. Et je vous dis, il n'y a rien qui va. Yes. Et là, je peux faire le grand feu de camp. Bah voilà. Le but, c'est vraiment d'être autonome en boisson et en nourriture. Putain, Marie-Madeleine, je vais bientôt devoir te manger. Je suis désolé, hein. Allez, vas-y. Allez, c'est bon, je rentre. Niveau supérieur à la chasse. Oh, putain, si je pouvais me faire une mouette, bordel de merde. Putain. Wow. Oh non, putain, j'ai marché là-dessus. Bon, vous vous en doutez, il s'est passé ce qu'il aurait dû se passer. Je suis mort d'empoisonnement. Honnêtement, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1. Bon, j'ai recommencé au début de l'épisode 2, hein. J'avais pas fait grand chose. Je me suis dit, allez, je vais refaire ma petite cabane, machin, nanana. Mais là, j'avais fait quand même pas mal de choses. Mais pas de panique, j'ai déjà reconstruit ma base, j'ai fait un petit abri. Je me suis restuffé, donc pile poil ce que j'avais déjà stuffé en fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que les drops varient selon la partie que tu fais. Et donc, j'ai pas chopé les mêmes trucs. Mais en fait, je suis exactement au même endroit où on s'est lâché tout à l'heure.
l'heure. Donc pour vous, c'était tout à l'heure. Pour moi, c'était il y a à peu près 2 heures. Oh là là, Jolat, que des mauvaises nouvelles. Mais dis-moi, t'as au moins une bonne nouvelle à nous annoncer dans tout ça? Oui, oui, ça va, j'ai une bonne nouvelle. Marie-Madeleine va bien. Voilà. Elle m'attendait, elle était là. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a donné l'antidote pour me remettre sur pied. Elle est tranquille, posée sur sa petite bâche, elle prend le soleil. Donc j'ai mis mes petites bouées de sauvetage là-bas, bien sûr. Ça, ça a pas changé. Il est 9h06, donc tout va bien. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Enfin, bien bu. Plus ou moins. Plus, moins que plus, d'ailleurs. Voilà, donc on va continuer. On va remplir le distillateur avec une feuille de palmier. Oui, parce qu'en fait, du coup, vu que j'ai recommencé la partie, j'ai su comment marchait le distillateur. J'avais foutu un feu de camp en dessous. Rien à voir. Fallait mettre des feuilles de palmier ou des feuilles de fibre. Et on va bien entendu reprendre là où nous nous étions arrêtés, comme si de rien n'était, comme si tout s'était bien passé. One shot, mon gars. Eh ben, on va se régaler, ma vieille. Hein, ma fifi? De la mouette. T'aimes ça? Oh là là, c'est tellement magnifique à chaque fois qu'on plonge. Ça, par contre, ça, voyez? Ça, c'est pas mauvais, mon petit gars. Ça, oh, oh. Où je m'en vais? Où je m'en vais? C'est vrai que ça avait l'air plutôt alléchant, mais je préfère m'en aller de là. Il m'a mis mal, là, non? Bon, on va tenter de descendre là-dessous. On va essayer de se stuffer. Alors, je vous dis, c'est assez tendu quand même, l'histoire. Ouais, on a des pneus ici. Je peux peut-être passer... Voilà, je peux passer par là. Allez, j'y retourne. J'y retourne, on passe par là. Voilà. Une porte ici. Yes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On prend tout ça. Ici. Je prends tout ça. C'est nickel. On se dépêche de remonter. Non, c'est pas par ici. C'est pas par ici. Voilà, voilà. Voilà. Bon, c'est toujours un peu short, hein, mais je suis pas assez stuffé pour aller explorer là-dessous, en fait. De l'arrêt. Ça se ment. Putain, mon gars. Allez, vite, 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 vite. Allez, vas-y, on va aller voir là-dessous. On va aller faire un petit tour. Il y a des pneus. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? On n'a pas grand-chose. Si, on a une armoire. Yes. Je prends tout ça. C'est parfait. Et je remonte. On remonte très vite. Allez. Allez, on remonte. Yes. C'est bon. Nous voilà dans la cabine du capitaine. Une boîte de sardines. Alors, celui que j'ai pas exploré, c'est celui qui est là-bas. Oh, putain. Je me barre. Oh! Ah! Gros! Lâche-moi! Oh, je suis pas bien, là. Là, je suis pas très bien, par contre. Hémorragie. J'ai pas de bandage. Oh, je fais gaffe parce que c'est ça qui m'empoisonne à chaque fois. Allez, on va tenter d'aller fouiller celui-là. Il y a des tonneaux. Putain, si je pouvais trouver des bandages, ça m'arrangerait. Du scotch. Bon, je pense qu'on va récupérer les tonneaux. Ça dit quoi au niveau de la santé? Allez, ça va. Ça se casse, ça? Oui, bien sûr que ça se casse. Par contre, je peux pas les récupérer comme ça. On va tenter de les ramener comme ça au camp. Je vais voir si je peux pas crafter un truc, un bandage, quelque chose avec du tissu. Voilà, on va poser ça ici. Ça pourrait faire des flotteurs. C'est impeccable. Fais voir, ça dit quoi? Ah ouais. Pff. Attends, déjà, j'ai soif. On va boire un coup. Voilà, la soif, c'est pas mal. Va falloir que j'aille rechercher des feuilles de palmier. Hein. Le jeu est très punitif, je trouve, au niveau de la survie. C'est un truc de ouf. Hein. Consommable, bandage, tissu, corde. J'ai pas de corde. À moins que ça a repoussé le Yuka. Oui, ça a repoussé. Ok, on va pouvoir faire un bandage. Allez, vite, donne-moi tout ça. De la corde. Yes. Normalement, j'ai un bout de tissu dans le coin. Ok, et donc, en principe, voilà. Ok, on peut faire un bandage. Je l'utilise. Oh, yes. Ah bah voilà, mon gars. Et puis, on n'est plus en hémorragie. C'est impeccable. Par contre, j'ai toujours soif. On va voir pour couper celui-ci, qui m'a l'air quand même bien grand. Voilà. Oh, il y a encore du yucca ici. Oh, je peux le prendre maintenant. Hein. Voilà. On n'oublie surtout pas une feuille. C'est très important. Voilà. Nickel. Comme ça, on peut remplir le distillateur. Parfait. Ça va faire de l'eau. Bon, on n'est pas trop mal en bois. Franchement, là, on est bien. Hein. La feuille, je la mets de côté. Alors, attendez. Je vais voir si je peux faire de la corde. C'est surtout pour mon feu de compète, en fait. Yes, c'est bon, on est pas mal. On remplit le feu, c'est nickel. On allume, on est mieux organisé là. Là franchement je suis mieux organisé hein. Et voilà, impeccable. Hop, on va boire un coup. Voilà, ça nous a remonté un carré, c'est nickel. Ah puis ça va pas tarder à faire nuit là. Je vais le prendre.
Alors, fais voir ce que ça dit. Bon, ça dit que c'est pas trop mal. Ouah, nickel, on va pouvoir aller dormir. Par contre, je vais éteindre le feu. Et bonne nuit. Ça commence à faire jour là tout doucement. Faudra aussi qu'on aille visiter cette île là-bas. Putain mon dieu, cette violence quand le soleil se lève. Allez viens là. Merde, j'ai soif. Allez, on va vite le dépecer. Oh, il est en train de bouffer mon mérou. Ok, je me casse. Je me casse. Putain, il va m'attaquer. Normalement il m'a pas fait d'hémorragie. Non, ça va. Par contre, je me déshydrate. Bon, on va se mettre pas trop mal niveau nourriture là. Voilà, nickel. Bon, on va se régaler ma vieille. Yes, ah, nickel. Parfait, parfait, parfait. On va pas être bien là tous les deux. Un petit bout de mérou bien grillé. Ah, par contre, oui, j'ai soif. Yes. Il y a à boire, c'est nickel. Voilà, on a récupéré 2 carrés d'eau. Jour 3 survécu. Bon, franchement, ça va, on est pas trop mal là. Ça, je vais le manger direct. Ça c'est bon ça. Ça m'a redonné de l'eau en plus, je crois bien. Ouais, de l'eau et de la faim. Allez, je pense qu'on va partir sur l'île en face là-bas. Je vais déjà avancer le radeau. Je vais voir si ça s'est cuit. Yes, ça s'est cuit. Ouais, je vais manger les deux, hein. Oh là là, on est bien là. Vas-y, je vais visiter l'île là-bas. Allez, en route ma vieille. Accroche-toi, ça va secouer. Allez, c'est parti pour la grande aventure les mecs. Première virée en pleine mer sur cette nouvelle mise à jour de Stranded Deep. Ça secoue, hein. Marie-Madeleine, tiens le choc. Oui, ça va, elle tient le choc. Elle est bien plus costaud qu'on le pense. Ouh, regardez ce qu'il y a dans le fond. On dirait pas une espèce de tour à droite, là? Oh, je sais qu'il y avait des baleines aussi. Il doit y avoir des épaves d'avion également. Faut que je repère mon île, moi. Hein. Attends. Oh, c'est bien beau tout ça, là. Ouais, bon, mon île, c'est celle où il y a le bateau. Ok, d'accord. On va surtout essayer de chasser, ramener des feuilles et du bois. Et de la pierre. Et des noix de coco. Et du tissu. En fait, on va ramener tout ce qu'on trouve, quoi. Bon, ça va, mon inventaire, il est quasiment vide, là. Je suis parti les mains vides. J'ai juste pris ma hache et mon couteau. Ah ouais, je me trompais pas, mon gars. On dirait bien une tour. Genre un espèce de mât de bateau, quoi. Ça doit être ça. Tu t'accroches, ma vieille. Oh, elle a vécu bien plus d'aventures que vous pouvez l'imaginer. Oh, putain, il y a le requin. Merde. Oh là là, j'espère qu'il va pas me retourner mon radeau. Allez, avance. Il est juste à côté de moi. Yes, impeccable. Allez, on arrive sur la côte. Je veux juste voir si je vois mon île d'ici. Bon, en principe, oui, vu que je vois... Oui, ça va. C'est bon, il y a le bateau en face et tout, je peux pas me tromper. Tu m'attends là, ma vieille? La rame, hop, je la mets là, donc impeccable. Allez, c'est parti. On va vite faire le tour de l'île. Il est quelle heure? 13h45. Ouais, on va se dépêcher un petit peu quand même parce qu'on a soif. Les planches, ouais, je vais surtout ramasser de la pierre. Oh putain, il y a un bateau ici à visiter aussi. Voilà, on n'est pas trop mal avec la pierre aussi. Les crabes, je fais gaffe. Alors, faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a des serpents. What, c'est quoi ça? Oh, gros! C'est quoi cette grosse bestiole là? What? C'est quoi ça? Gros, il m'attaque! Je peux pas courir, si! Putain, mais il court vite, mon gars! Attends, ça existe en vrai des bestioles comme ça? Mais laisse tomber, il me lâche pas! Oh, mais moi, je vais partir de cette île, mon gars! Ah, moi, je vais partir de cette île! Hein. Ça, je ramasse! Allez, vite! Oh, un porc! Oh putain, puis ça flotte! Ils sont où ces espèces de crabes? Putain, ils vont me stresser! Oh, c'est un merde! Il m'a foutu l'épaule, gros! Il va me tuer! Je m'en vais! Je rentre chez moi, c'est bon, je rentre chez moi, vas-y. Vas-y, je rentre chez moi. Putain, je pars en pleine tempête, les mecs. Eh, franchement, j'ai pas récupéré grand-chose, mais tu vois, j'aimerais bien y aller en même temps, mais... Il va me tuer, gros! Je rentre, les mecs. J'ai soif. Putain, elle est où, mon île? Elle est là-bas, il y a le bateau. Elle est là-bas. Oh putain, j'espère juste que je vais arriver à temps. Il m'a mis extrêmement mal, le cochon. Putain, je vois plus rien. Accroche-toi, Marie-Madeleine, il y a un peu de houle. Ok, moi, je crois que c'est l'île en face, hein. Je vois le grand mât là-bas. Ah non, c'est celle-là, là-bas. Oh putain, je sais pas. Si, c'est celle-là. Là-bas, il y a un bateau, ça doit être celle-là. Mais il y a un bateau là-bas aussi, j'ai l'impression. En fait, il y a des bateaux un peu partout. Merde. Oh là là, ça secoue. Ah, oh, je suis emmerdé là. Je vous le dis, je suis emmerdé là. Faut vraiment que j'arrive à bon port. Marie-Madeleine. Je crois qu'elle s'est envolée dans les vagues, les mecs. Vous inquiétez pas, je suis sûr qu'elle est retournée à la base. Ça va aller, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est costaud, je suis sûr qu'elle a dû retourner à la base. Oh les mecs, c'est horrible, je ne sais même pas si c'est mon île. Ah si, c'est mon île, je vois le feu de camp. Allez, on y est. Première chose que je fais quand on rentre, je bois. Allez, je prends pas de risque, je descends du radeau maintenant. Je vais boire. Fouh. Oh là là, ouais, c'était chaud. Marie-Madeleine.
Ah bah non, elle est dans le radeau, c'est bon. Ça va. C'est bon, elle a tué le choc. C'est juste que Stan l'a collé un peu au siège, c'est normal. Allez, j'ai ramené des trucs. Ah, ça va, j'ai ramené quelques branches. J'ai ramené pas mal de cailloux aussi. D'ailleurs, les pierres, je vais les mettre là. Je vais me prendre une petite coconut, hein. Alors, pas pour manger, mais pour boire. Voilà. Je vais même en prendre deux. Oh putain mon gars, mais c'est horrible avec l'orage qui tombe là. On va dormir. Bonne nuit. Oh là là, cette affaire mon gars. Bon, on peut boire un coup. Je vais voir ce qu'on peut fabriquer encore là. Poêle de fortune. Ça, ça peut être pas mal. Un tonneau. J'en ai un. Un tonneau et un truc de pierre. Ah, attends. Je peux peut-être casser ça si j'y arrive. Nickel. Et comme ça, je peux mettre à la place. Voilà. Yes, bah voilà, je vais mettre quelques branches. Voilà, ce sera encore mieux que mon feu de camp, je pense. Voilà, je remplis ça. Fais voir qu'est-ce que ça dit, là. Ouais, putain, j'ai encore soif. Bah vas-y, hein. Ouais, c'est bon. On commence vraiment à se mettre pas mal, là. J'allume ça. Voilà, c'est parfait. Je vais aller pêcher 2-3 petits poiscailles. Oh, si je pouvais choper un mérou, ce sera encore mieux. Oh là là, et puis je gagne de l'expérience, là, en chasse, hein. Quel con. Bah non, je voulais le poser. Voilà. Gros, tu peux pas mettre ta viande dessus. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dessus? Peut-être les steaks de mérou, je sais pas. Là, par contre, je me fais mordre par un requin, on est mort. On va peut-être éviter... Oh, putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça, moi. Bah, je prends. D'ailleurs, j'ai quelques rations, hein. Je vais peut-être pouvoir en manger une. Voilà, attends. Je regarde ce que ça redonne. Fin et haut, je suis là. Ok. Oh, pas mal. Putain, joli. Ah, ça m'a redonné tout ça, quand même. Ah, du coup, attends, parce que je crois que j'en ai une autre, une ration. J'en ai deux. Oh, mais en fait, on est bien si je pars sur une île de l'autre côté, là. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ok, donc ça, c'est très important. Deux rations, c'est plutôt pas mal. C'est cuit, ce qu'il y a là-dedans, là. Comment je fais pour le récupérer? Il est condamné à cuire durant l'éternité. Putain, mon feu de camp de compétition, il était mieux, en fait. Je suis dégoûté. On va tenter d'aller sur celle-là, là-bas. On a été sur celle-là, on va aller là-bas. Allez, accroche-toi, Marie-Madeleine, parce qu'on a de la route, là. Mais tout ça, bien sûr, ce sera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Vous n'oubliez pas de faire péter le petit like. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir, bien entendu, la suite des aventures. Et je vous rappelle que je vous donne rendez-vous le 7 mai pour la grande aventure sur Scrap Mécanique. Nous, on se dit à bientôt et ciao tout le monde, bye bye. Allez, dis au revoir, Marie-Madeleine. Elle... je vais la chercher. Vous inquiétez pas, elle est pas loin. Voilà, elle est jamais loin. Hein? Qui dit au revoir aux abonnés?